Les grands péchés. Tout d'abord, leur nombre. Ils ne sont pas dénombrés. En revanche, ils sont définis comme indiqué précédemment. Le jugement de son auteur, celui qui commet le grand péché. Premièrement, il est croyant, possédant une foi basse, ou croyant de par sa foi, pervers de par son péché. Deuxièmement, on l'aime en fonction de sa foi et on le déteste en fonction de son péché. Et troisièmement, on le délaisse au moment où il pratique son péché. Les degrés du grand péché. Ils ne sont pas tous au même niveau. En raison du hadith, ne vous informerai-je pas du plus grand